le dernier quart en fait du XIXe siècle est une période extrêmement difficile pour les catholiques, en particulier à partir de 1879, avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de républicains de combat. Il va y avoir une laïcité très, très dure, avec des lois qui sont votées et qui touchent les catholiques. Les congrégations sont expulsées, certaines congrégations religieuses. Et les conservateurs et les monarchistes tentent, autant qu'ils le peuvent, de défendre l'Église catholique. C'est en voyant leurs efforts, qui sont des échecs successifs, que le pape Léon XIII va comprendre qu'il faut qu'on cesse de chercher à restaurer la monarchie en France. Et l'opération va se dérouler en deux temps. D'abord en novembre 1890, il demande un cardinal français, le cardinal Lavigerie, qui est très populaire en France en raison de son combat contre l'esclavage, de dire aux catholiques français qu'il faut qu'ils reconnaissent la République. On va appeler cet événement le toast d'Alger, puisque le cardinal Lavigerie porte un toast en l'honneur de la marine française dans le palais épiscopal d'Alger. Le cardinal est injurié en retour par toute une partie de la presse française, les monarchistes notamment, qui ne comprennent absolument pas ce geste du prélat. Et le pape est obligé d'intervenir officiellement en 1892, en mois de février, par une encyclique rédigée spécialement en français au milieu des sollicitudes. L'encyclique elle-même entraîne de nouvelles précisions de la part du pape dans une lettre aux cardinaux français au mois de mai, où le pape se fait explicite, accepter la République comme étant un gouvernement permis par Dieu. La manœuvre désirée par le pape en fait avait pour but d'obtenir une majorité modérée, de dégager l'Église de toute compromission avec les partis monarchistes, et de montrer qu'en fait l'Église n'était aucunement liée à une forme de gouvernement particulière. Les désirs pontificaux n'aboutissent pas pour une raison assez simple, c'est-à-dire que le pape à la fois demande aux catholiques de reconnaître la République, mais dans le même temps, il condamne toujours à nouveau les lois qui touchent les catholiques. Un certain nombre de conservateurs passent à la République, mais continue toujours à défendre un programme confessionnel et se divise donc quant à l'attitude à adopter par rapport à la République. On ne sait pas vraiment s'il faut une République sociale, s'il faut une République chrétienne, ou au contraire, s'il faut que on considère que le catholicisme n'a pas vocation à avoir des droits particuliers en France. Donc on pourra observer deux camps très, très distincts, et notamment autour des assomptionnistes qui s'occupent du journal La Croix, qui est extrêmement diffusé, extrêmement puissant. Les premières élections, donc en 1893, sont un échec pour le pape, et il demande donc à un catholique républicain français, Étienne Lamy, de mettre sur pied une organisation politique à l'approche en fait de la prochaine échéance électorale, celle des législatives de 1898. Dans le même temps, on assiste à un certain esprit nouveau, des républicains modérés qui considèrent qu'il est éventuellement possible de gouverner avec les éléments les plus modérés de la droite, et y compris des catholiques. C'est notamment le ministère de Jules Méline, et qui va être touché très rapidement en fait, par l'affaire Dreyfus qui arrive et qui surgit en plein dans la société française et qui divise profondément la société et qui recrée deux parties, deux groupes véritablement distincts. Les cléricaux et les anticléricaux. Véritablement, autour de la question confessionnelle, la Croix s'engageant extrêmement fortement, avec un antisémitisme débridé, en faveur, évidemment, des opposants à Dreyfus, en faveur de la culpabilité du capitaine Dreyfus.
Le gouvernement, le ministère de Méline, est mis en échec aussitôt après les élections de 1898, et on assiste alors au retour d'un gouvernement de concentration avec l'arrivée au pouvoir notamment de Waldeck-Rousseau. Les assomptionnistes sont poursuivis par la justice et en mars 1900, ils sont condamnés à la dispersion, ils doivent quitter la Croix. Et la nouvelle échéance électorale de 1902 voit les catholiques arriver en ordre dispersé, nouvel échec à nouveau, et qui ouvre en fait la voie à la séparation des églises et de l'État, qui était précisément en fait l'un des objectifs d'éviter justement la séparation, et donc qui survient en décembre 1905.